Zinek. Hop là. Alors, il est où le jeu? Il est où le jeu? Censé être là. C'est bon. C'est bon, il s'affiche. Si je mettais le son. Ça serait mieux? Qu'en pensez-vous? Alors donc, non, ça se... Voilà, je veux ça. Je veux ça. Je veux la pétoire. Oh, des crêpes. Et des crêpes sucrées ou vous allez faire aussi des crêpes salées et tout là? Attendez, j'ai plus de vie là. Merde. Bon, ça y est, ça commence. Ça y est, ça commence. Elle est chiante cette zone. Vraiment, elle est chiante. Ok. Et le fait qu'on puisse pas les tabasser. Voilà. Là déjà, je suis bien. Enfin, je suis bien. Je suis moins pire, quoi. Oh là, lui, je peux l'avoir. Ah non. Ah, c'est bon, il est mort. Un de moins. Je fasse gaffe, parce qu'il y en a qui vont arriver par là. Genre lui. Ah, mais ils m'ont fait péter les. Merde. Il y avait de la dynamite. Ils m'ont fait péter la dynamite. Si j'essayais le truc en cloche là. Regardez. Voilà, regardez ça. Parfait ça. Il va en prendre plein la tronche lui. Merde. Ok. Il est où le relou? Merde. Merde, je suis mort. Merde. Coucou Melzekiel. Coucou, coucou, coucou. Crêpe sucrée. Bon, je suis encore mort. Un petit thé comme Tony Hobb. Alors, c'est chiant dans le jeu, thé comme Tony Hobb, là. Faut vraiment que j'automatise. Hein. T'es comme Tony Hobb. Ah, Melzekiel, tu viens juste pour me faire un gros rip, quoi. Et un R comme... je dis que c'est chiant. Et... R okay, comme Rabia. Oui, c'est ça qu'il faut que je charge. Il t'a sauvé il y a 3 heures, j'avoue. Non, non, mais là, je viens de commencer. Hein. J'arrive. J'arrive. Hop, là, lui, il me tire dessus direct. Mais... Hein ? Ah, vous avez vu ça ? Mini qui voulait. Ah bon, si c'est mini qui voulait, moi ça me va, honnêtement. Vous savez que je lui refuse rien, lui, hein, évidemment. C'est peut-être... Alors, hop, direct. Hein. Voilà. Là, je me soigne. Hop là. Ensuite. L'autre là. Lui, il est mort aussi. C'est bien. Là, il y a lui.
Lui, il est mort. Et dehors. Il y a déjà l'autre enfoiré là. Ah merde. Putain c'est chiant bordel. Yes. Merdoum. Oh là, mais ils sont pleins. J'avais oublié. J'avais oublié qu'ils étaient autant. Désolé, hein, je suis concentré. J'ai à moitié rien suivi au podcast. Hein. Je t'avoue, et à chaque fois que je viens, j'ai l'impression que tous les décors, tous les PNJ, toutes les actions sont toujours les mêmes. Mais pas du tout. Il y a les décors changent à mort en plus, parce qu'il y a plusieurs zones. Là, on est dans la zone marécageuse, il y a une zone de désert et tout. Donc clairement, on peut pas dire que c'est toujours les mêmes zones. Par contre après oui ça reste un jeu d'aventure où le but bah, c'est de trouver des trucs, trouver des gens et puis leur casser la gueule. Bon bah oui, effectivement là-dessus. Mais il y a une histoire qui commence à se creuser un petit peu et tout. Donc j'ai le droit d'être de mauvaise foi. Effectivement j'avais oublié ce paramètre, la mauvaise foi, effectivement. Tu es autorisé. Alors. Comment je peux l'avoir lui? Hop, lui il est là. Et hop là. Et moi j'y prends vraiment du plaisir en fait à y jouer quoi. Même s'il y a des trucs qui sont chiants, même si là par exemple j'ai pas encore sauvegardé, il faut que je le fasse. Si je veux pas me retaper ce combat. Hop. Cette fois-ci, on n'a même pas le mec coincé dans le mur. Ce qui est plutôt pas mal. Il est moins buggé que la dernière fois que j'ai joué, dis donc. Alors, on va aller tabasser les autres. Oh là là, il y a Arabia depuis tout à l'heure qui arrête pas de monter sur le bureau, descendre du bureau, monter sur le bureau, descendre du bureau, monter sur le bureau, descendre du bureau, monter sur le bureau, descendre du bureau. Elle n'arrête pas. Quoi? Allô? Et le petit toc là que vous avez entendu, eh ben c'est le pif d'Arabia dans le micro.
elle en train de tirer sur le rideau pour voir ce qu'il y a derrière. Hein? Alors j'imagine qu'il faut tirer sur quelque chose, sur le bon. Ouais. On reviendra quand on en saura plus, hein. Ouais, sinon, Melzekiel, tu faisais quoi de ton dimanche à paraître de mauvaise foi? Hop, lui, il est mort. Lui, est-ce que je peux l'avoir? Je crois pas, hein. Ah, je peux l'avoir avec l'autre arme, l'arme en cloche, là. Je peux peut-être l'avoir avec lui, non? Non, avec celle-là, non. Ah, ça c'est le lance-flamme, je suis con. C'est arme en cloche. Ah, mais c'est trop bien! Ah, attendez, le R comme Rabia, il arrive. Donnez-moi 2 secondes. Ça fait péter les trucs, mais c'est tellement bien. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est débile? Mais j'ai un chat débilou, hein. J'ai un chat complètement débilou. Elle vient de se faire peur toute seule. Donc c'était quoi? Un R comme Rabia. R comme Rabia. 32 km. Mais t'as fait vraiment 32 km de vélo aujourd'hui? Sans blaguer? Pourquoi? Pourquoi? Et surtout, il fait quel temps de ton côté? Parce que... Ici, je peux te dire que c'est pas un temps à vélo aujourd'hui. Hein. Voilà la plage. Ah, vamos a la playa. Hein? Quoi? J'ai même tweeté dessus. Ah bah j'étais pas dispo moi aujourd'hui. J'étais avec Sev, donc là c'est pour ça que... Merde. Il y a du bruit dans l'eau, ça me stresse. Oh, je vais pouvoir leur faire péter des trucs à la tronche là. Regardez. Regardez. Ils sont tous en bas a priori là. Non? Ils sont où? Ils sont tous là, regardez. Hop, toi t'es mort. C'est bien, ça fait les pieds. Ils sont où? Ils sont où? Ils sont là. Hop, et dedans. Oh c'est bien, ils sont tous enfermés là. Vas-y, restez là. C'est parfait. Oh merde. Putain, j'en avais un dans le dos quoi. Bah voilà. Un carnage qui tourne bien.
Alors. Hop, je me soigne. Je me soigne et je vais... Et je vais sauvegarder. Attendez, il y a Rabia qui revient. Ça faisait au moins 2 minutes qu'elle n'était pas descendue et montée sur le bureau. Ah. Bon, est-ce qu'on va pas tabasser les autres aussi? Non, on va discuter un peu avec les mecs là. Et les chums. On va leur parler. Eh, hey, salut chum. On peut se voir un instant? Mais je suis où là? C'est la région d'Okasanka. Mais je suis où? Je voudrais pouvoir t'aider plus, mais les soldats de Siana recherchent les gardiens. Il ne faut pas qu'on me voie parler avec toi. Ils penseraient que je suis un gardien. Ah, ok. Il va falloir que je bute tout le monde, en gros. Ouais, c'est ça. Il y en a un qui regarde, là-bas. Que regarde-t-il? Que cherche-t-il? Eh, salut! Hé, hey, machin! Qu'est-ce que tu cherches? Je ne cherche rien, Urukai. Egar aime bien regarder l'eau. Ben, ce stream n'est pas sponsorisé par les petits écoliers. Hein. Déjà, parce que j'arrive pas à les récupérer. Ah merde. Mes biscuits. Je veux mes biscuits. Vite. Vite les biscuits. Je suis en train d'en foutre partout sur le bureau. Est-ce que vous entendez ou pas? Non? Oh là là, vous entendez même pas les biscuits, c'est trop bien. Trop bien le gate. Hop, les petits biscuits. Allez, allez, ça a l'air de bouffer. Hein. Ah merde, j'ai pas commencé la vidéo pour YouTube. Salut YouTube, hein. J'espère que tu apprécies ce skill. Hein. Alors si, on a tout entendu. Les scrunch-crunch du paquet, tu les as entendus. Parce que j'avais le vue-meter et le vue-meter m'a rien montré. Ah merde. Ça devait pas être très fort du coup. Hein. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appuyé sur le gros bouton, je sais pas ce que ça a fait. Ah merde, il m'a vu l'autre là-bas. Je crois qu'il m'a vu là-bas. Ah, attendez, il y en a là. Ah merde, il y a un mec derrière. Je veux pas déglinguer le mec derrière, moi. Voilà. Et... Bon, voilà. Oh, ils sont morts, c'est bien. Ensuite, toi. Toi, t'es mort, c'est bien aussi. Les autres, ils courent, ils courent. Oh, les génies, regardez ça.
Putain, et l'autre qui vient se foutre devant. Non mais... Non mais faut... Oh, les débiles, les débiles. Je veux pas les buter, ils se foutent devant quoi. Quoi, mais y'en a un qui est mort là? Non. Non, non. Ah mais oui, lui il fait mal au NPC ce con. Putain, j'espère que personne est mort à cause de ça. Hein. Ça me saoulera un peu. Ils veulent plus me parler. Ils font la gueule. Ah, ils font méga la gueule, quoi. Ah non, c'est bon. C'est bon. Hop, je vais pouvoir parler à tout le monde. Oh, trop bien. Parce que j'ai cassé la gueule des gardes. Alors, qu'est-ce qu'il va me dire? Où puis-je trouver le Talan à qui ce bracelet appartient? C'est lui, là-bas. Hein? C'est lui? Approche un peu, tu veux? Où puis-je trouver le Talan à qui ce bracelet appartient? C'est lui là-bas. Ah ouais, d'accord. Ouais, c'est celui à travers les murs. D'accord. Super. Regardez ça. Petite pièce secrète là. Bon, c'est à toi le bracelet ou pas? Je peux te poser une question? Sagaz? Tu es venu me voir. Tu es venu m'accorder ta bénédiction avant que je ne sois réintégré. Réintégré? Pourquoi? Je sais qu'on va bientôt me réintégrer. Je le sens, dans mon essence. Comment ça tu le sens? Tu n'es pas au courant? Tu ne sais donc pas à qui tu parles? Je suis zélé. Bah, il a qu'à arrêter de faire du zèle. À tes souhaits. Je comprends. Je ne vaux même pas ta bénédiction. Non, 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 c'est pas ce que je voulais dire. Ça va, Moulukai. Je ne le ferai pas moi-même. Avant que je sois réintégré, je peux faire quelque chose pour toi? Tu veux un renseignement ou du sort de Borgor? C'est à toi, ça? Ah oui. Je me demandais où j'avais encore bien pu l'égaler. Encore? Ouais, depuis que je mange moins, je le perds tout le temps. Ça tombe de mon poignet. Je devrais plutôt le mettre en ma poche. C'est peut-être pas une mauvaise idée. Je devrais te demander de me le rendre. Fais plus attention la prochaine fois. Allez, quick, quick, c'est sans doute une récompense qui te trigger. Ce n'est pas moi qui l'ai trouvé, Zélé, mais un Talan à Okriana, dans sa cargaison de Sankar. Ah oui, c'est par là que je l'ai perdu. Ramène-lui ceci si tu y arrives. Enfin... Si les soldats ne te réintègrent pas avant... Bah lui, il est un peu... Tu files vraiment la pêche. Hein, ah voilà, j'allais dire, attends, il est déprimé, lui. Hein. Vraiment? J'ai toujours pensé que personne ne voulait me parler parce que... J'étais ennuyeux. Toi? Mais non... Il maniait bien l'ironie, hein. Du Zort de Gorgor? C'est quoi? C'est ce que le Gorgor laisse derrière lui quand il quitte un endroit. Quand ça a vieilli, je m'en sers pour protéger Siana. Comment? Quand j'étais jeune, et encore utile, j'ai découvert que mélangé à certaines plantes, le Zort de Gorgor faisait fuir les Sanecta, car ils reconnaissent l'odeur du Gorgor. J'ai donc créé les barrières flottantes qui entourent Siana. Plutôt dégoûtant, mais malin. T'es pas si inutile que tu le crois, Zélé. C'est un bien gentil mensonge, Olokai.
Si jamais tu trouves du Zort, ramène-moi, et je te donnerai des Zorkins. Ok, j'aime pas du tout non plus. Ah, moi ça me... Ça me choque pas du tout en fait, mais je peux comprendre. Hé, hey, machin. Je pense que c'était le dernier de la cité. Je n'ai que mes remerciements à t'offrir pour récompense, Luca. Ah, fallait vraiment buter la tout le monde. La cité de Siana te sera éternellement reconnaissante, ainsi que toute la région d'Okasankar. Que peux-tu me dire sur les Sanecta? Tu les as vus? Chaque fois que j'en vois un, je pense à tous ces talans qui ont fini dans leur gueule. Pour les éviter, il faut nager vers les bateaux. Ils ne s'en approchent pas. Ok. Y a-t-il un Chamaz ici? Il n'y en a qu'un, Ulukai. Tu trouveras sans doute Chamaz Caleb dans les hauteurs de Siana. Que peux-tu me dire à propos de Ferran? Si toutes les essences malfaisantes qui sont en lui devaient sortir, le ciel serait noir. Que peux-tu me dire à propos de Croax? C'est un talent fait. Il prend plaisir à réintégrer les talents sans défense. Je crains qu'une de ces lunes, ce ne soit à mon tour. Oh là là, ils sont un peu déprimés ici, hein. Ça a pas l'air d'être la folie, hein. Bon, il y a les petits bateaux. Attention, de la plateforme. Attention de la plateforme. Attention, la plateforme dans les jeux d'aventure. On sait que c'est de la merde. Hein. Non ! Mais merde. L'eau est un peu dégueu, non ? Oh là là, dis ! Qu'est-ce qu'il y a sous l'eau ? Eh ben, il a failli me bouffer, ce con ! Il m'a fait mal, en plus ! Allez, mais remonte, remonte, allez. Tu peux le faire. Ok, ils ont rien à me dire. Bon, lui, il a quoi à vendre? Rien du tout. Super. Ça couine un peu. Ça couine un peu le bois là. Pas sûr que ça soit super solide, hein. Ils ont un petit moulin. Ton moulin va trop vite. Des ressources. On peut pas monter tout là-haut? Je me suis foiré ou on peut pas monter tout là-haut en fait? Là est la question.
Ok, lui c'est juste un random. 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 Putain, un village où il n'y a que des randoms quoi. Super, je suis monté pour rien. Il n'y avait rien à l'étage. Ah, Chamaz. S'il vous plaît, monsieur. Ah, le Chamaz. Ravi de te voir. Les escaliers sont bons pour mon essence, non? Moi, Chamaz Caleb, je les prends 10 fois par lune. Ah oui. Merci, Ulukai, d'avoir débarrassé notre belle cité de Siana de ses horribles soldats. Je craignais, après la venue de Krorax, que les Talan ne retrouvent jamais leur liberté. Krorax était ici? Oui, il a capturé et réintégré de nombreux Talan en prétendant qu'il s'agissait de gardiens espions. Je pense qu'il voulait terroriser les Talan pour qu'ils ne t'aident pas, Ulukai. Pas sympa. Hein. Pas sympa. Hein. La répute. Que pensent les Talan de moi? Tu représentes tous leurs espoirs, Ulukai. Voilà. Pourrais-tu me guérir? Ce serait un honneur, Ulukai. Je ne lirai même pas la question. Voilà. Je dois trouver le Mon. Les Yodes, me sentez-moi que j'aurais voulu pouvoir te rapporter, Ulukai. J'ai essayé de trouver un Talan pour m'emmener là-bas et le récupérer, mais personne n'a voulu. Pourquoi? Ils ont tous peur du Gorgor qu'il y a là-bas. Enfin, tout sauf Roux. Parle-moi un peu plus de Roux, s'il te plaît. C'est une bien triste histoire, tu sais. Avant, c'était un grand chasseur qui n'avait jamais été blessé, jusqu'au jour où, en chassant à Gorgor, il a failli être réintégré. Après ça, il n'a plus voulu chasser. Vraiment? Oui, cela s'est passé il y a bien des lunes, mais depuis, il n'a pas bougé de son île. J'ai bien essayé de lui parler de tout ça, mais il a vieilli et il est devenu très têtu. Tu crois que c'est la seule personne qui pourrait se rendre là-bas? J'espère qu'en te voyant, toi... Le grand Ulukai, il se sentira de nouveau utile. Quand tu seras prêt, trouve un bateau sur les docks à l'ouest de Siana et va le voir. Parle-moi de ce Gorgor. Le Gorgor? Je préfère ne pas y penser. Il est grand comme ma maison et a des dents pointues. Je ne l'ai vu qu'une fois, mais je ne l'oublierai jamais. Et tu as caché le Mon là où ces créatures vivent? Il faut avoir perdu son essence pour aller là-bas. D'accord, mais comment puis-je récupérer le Mon? Tu es Ulukai. Tu as tous les pouvoirs, non? Non. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ah, lui est... Planque des trucs, là. Je prends tout, hein. Vous connaissez quelqu'un qui pourrait m'emmener sur l'île d'Oru? Oui, il hurle à ce moment-là. Sadar est un pêcheur de Sankar qui opère généralement par là-bas, Ulukai. Vous avez déjà vu un de ces Gorgors? Non. Et très peu de Talan peuvent s'en vanter. On voit simplement ce que les chasseurs ramènent quand ils en tuent un. Les Talan en ont plus peur que de Ferran. Vous connaissez Oru? C'était un chasseur hors pair avant sa dernière expédition. À présent,
Il reste seul sur son île. J'espère qu'il recommencera à chasser. Ok. Bon, on va aller voir Oru. Bon, je prends lequel? Là, sinon, il y en a un qui va être jaloux en disant « Ah, moi j'ai eu l'Ulukai, toi tu l'as pas eu. » Salut! Ulukai, ravi de te rencontrer. Où? De même. Que fais-tu ici? Je m'appelle Sadar, je suis pêcheur de Sanka. Enfin, j'étais. J'ai eu un problème avec mon bateau. Évidemment. Que peux-tu me dire sur les Sankars? Évidemment. La plupart des Sankars de cette zone ont été attrapés. Voilà bien des lunes que Croax nous fait pêcher les Sankars pour nourrir ses soldats. Car s'ils manquent de nourriture, ils s'affaiblissent. Il ne reste presque plus de Sankars aujourd'hui. Vous attrapez quoi à présent? Certains attrapent encore différentes espèces de Sankars, mais on trouve surtout des Salecta. On peut les repérer car une partie de leur corps dépasse hors de l'eau. Si tu t'aventures au-delà des barrières flottantes, tu te feras vite réintégrer. En clair, il vaut mieux pas nager n'importe où. Tu peux te permettre de dépasser une barrière flottante si tu es près d'un bateau. Les Salecta sont intelligents, ils savent que les bateaux sont là pour les pêcher. Mais si tu t'éloignes trop du bateau, ça peut être dangereux. Quel problème? Désolé de t'embêter avec ça, Ulukai, mais la coque de mon bateau est percée. J'ai heurté un rocher la lune dernière et j'ai dû jeter tous mes Sankars pour ne pas couler. À présent, le bateau ne sert plus à rien. Y a personne dans le coin qui pourrait te le réparer? Il y avait. Il a été réintégré avec tout un groupe soupçonné d'être des gardiens de l'Otai. Plus personne ne peut réparer ce bateau. Je peux t'aider? J'aurais besoin d'une glande de Zedog pour le réparer. Mais les Zedog sont trop dangereux. Tu ne peux pas prendre ce risque, Ulukai. Je dois me rendre sur l'île d'Oru. Des glandes de qui? Je peux t'aider, Ulukai, mais je dois d'abord réparer mon bateau. Parle-moi de ces Zedog. C'est une véritable lèpre en Okasankar. Ça ne sert à rien de les tuer, ils repoussent aussi vite. On dirait des grandes plantes, mais leurs attaques sont fulgurantes et mortelles. Ah, je pense que c'est d'accord. Et cette glande? Quand ils meurent, ils recrachent une glande. À l'intérieur se trouve la semence du Zedog et un liquide très collant, idéal pour boucher les trous. Appétissant. Non, ne t'approche pas trop d'eux, Ulukai. Ils crachent, mais il est plus facile d'éviter leur crachat que leur morsure. Tu les trouveras au sud-est de l'entrée de la cité. Il va falloir que j'aille chercher du sperme de machin, quoi. En gros, il m'a pas dit, hein, mais il va falloir que j'aille chercher du sperme de machin, là. Super, hein. Super les quêtes, hein. Vraiment les quêtes au poil, hein. Vraiment. Va falloir que j'aille faire un prélèvement de sperme, quoi. Hey, salut. Hey, machin. Hey, comment ça va? Ulukai, oh, c'est un moment historique. Moi, Zernar, te remercie au nom de tous les habitants de Siana d'avoir débarrassé notre belle cité des soldats. C'était pas grand-chose. Tu as vu comme nos pêcheurs travaillent. Nous fournissons du Sankar à tous les soldats de Croax. Ça va pas comme ça, voyons, faut arrêter. Tout revient aux soldats? Oui, bien sûr. Nous aimerions garder pour nous, mais la loi, c'est la loi. Nous faisons notre travail le mieux possible. Parle-moi un peu plus de ces pêcheurs. Nous avons les meilleurs pêcheurs de toute Adelpha. Dans aucune autre région, tu n'en trouveras d'aussi habiles. En même temps, il n'y a pas de mer à côté. Ils ne sont autorisés à vendre qu'une petite partie de leur pêche au Talan. Le reste revient aux soldats. Et ça ne vous gêne pas? Tant que je reste le chef de Siana, je suis content. Oh, putain, les persos, et quoi. Et tant que les Talan ramènent du Sankar, je peux faire de mon mieux pour leur assurer une existence paisible. C'est profitable pour tous. Que peux-tu me dire sur Siana? C'est Macron, j'ai sûr. De toutes tes vies, tu ne trouveras une cité plus belle, Ulukai. Le ciel est plein d'eau, l'eau est pleine de Sankar, et le cœur des habitants est plein de joie. Toi-même, tu as l'air d'être plein de... Oui, je suis plein de fierté. Le seul problème à Siana, c'est que personne ne peut réparer le phare. Les escaliers qui y mènent ont été enlevés par les soldats. Pour Yod, c'est quelle raison? Ah bah ça, je peux. Ah, le phare, qu'est-ce qu'il a, ce phare? C'est un mystère pour tous. Il y a cette lune, la lumière a commencé à briller par intermittence.
Peu après, elle a pris une couleur plus foncée. Et puis, il y a 3 lunes, elle s'est éteinte complètement. Une ampoule qui a pété, quoi. Je ne sais pas pourquoi, mais personne ne peut accéder au phare. Un Talan a failli y arriver, mais il est tombé à l'eau et a été dévoré par les Sanecta. Pourrait peut-être essayer. C'est gentil de ta part, Ulukai, mais je m'occupe de tout. J'ai demandé à Croax de remplacer la lumière du phare. Quand viendra-t-il ? Il ne l'a pas dit. De quoi as-tu besoin pour le réparer ? Il nous faut un nouveau bloc d'Elidium. Mais pour cela, nous devons aller le chercher dans la région du Grand Motazar. Blanc, c'est ça ? Je l'ai pas ? Je sais plus. Sais-tu quelles sont les réserves alimentaires ? Avec moitié moins de nous. Parle-moi des armes des... On espère que leurs armes ne seront plus en état de fonction. Comment elles m'aura ? Au mieux. Ok, Je n'arriverai pas à te convaincre d'arrêter de livrer... Arrêter de livrer des Sanka ? Exact. Tu es assez apprécié pour que l'on essaie, Ulukai. Mais il... Je l'ai, c'est le grand truc blanc, là. Le bloc d'Elidium blanc, poète-poète machin, là. Ok. Ils discutent tous les deux tranquillou là. Bon, alors, essayons. On va essayer de pas se péter la gueule cette fois-ci. Ok. Ça, j'ai. Et ensuite, paf, sauvegarde. Après, je vais me chercher du thé. C'est pas le tout, mais il fait soif. Hop, et pourquoi ça a pas marché tout à l'heure? Voilà, regardez ça. Là, je le prends. Et il est où mon bloc, mon gros bloc d'hélium là? Hélium blanc. Merde. Ah, je peux pas le prendre. Bon, va falloir que je le remplace quoi, en gros. En gros, c'est qu'est-ce qu'ils sont en train de me dire? Sans me le dire. Hey, machin. Qu'est-ce que tu peux me dire sur les Zedog? Il ne faut pas traîner près de... Que sais-tu des Sankars? Les Sankars sont des animaux qui vivent dans l'eau. Certains d'entre eux sont aussi dangereux que... Ok, donc lui est en train de me dire, on a faim. Super. Bon allez, je vais chercher sperme de machin là. C'est dégueulasse. Il est dégueulasse ce jeu. Hein. Aïe. Je m'a foulé la cheville. Ok. Et de 1. C'est bon, il m'a craché sa glande. Aïe! Je lui ai chopé sa glande à lui. A priori. Merde, j'ai quasiment plus de vie là. Ils font mal, c'est con.
Bon, j'ai eu. On va aller filer ça à Trucmuche. Pour qui répare son bateau. C'est quand même sacrément dégueulasse. Ouais, coucou, ouais. Je sais pas pourquoi il me fait coucou tout le temps. Hop. J'ai pas parlé à l'autre. J'ai parlé à lui là. Et l'autre. Eh hey, salut toi. Salut. Oui. Ça va bien? Bien. Quelque chose ne va pas? Non. Ok. Comment t'appelles-tu? Zidar. Zidar. Chouette nom. Oui, dois partir. Ah! Ah, il est bien lui, hein? Eh, notre copain, hein? La glande. Je te ramène une glande. Je te ramène une glande. Tel que les gars l'avaient prédit, Lukai. Tu me donnes la glande? Ouais. Tiens, la voilà. Merci, excuse-moi un instant, je vais réparer mon bateau. Allez hop, je vais me chercher du thé. Pas le tout, mais il fait soif, hein. Hop. Alors. Que se passe-t-il? Oui, il a le temps de réparer ou pas? Oui. Je dois me rendre sur l'île d'Oru. Ce sera un honneur de t'aider, Ulukai. Préviens-moi quand tu voudras partir. Bah maintenant. Allons chez Oru, si tu veux bien. Comme tu veux, mais souviens-toi, si tu tombes, reste près du bateau à cause des Sanecta. Pourquoi je tomberais? On dit rien, on entend rien. T'as rien compris. T'as rien compris, mais ça fait plaisir. Hop, Siana, non, je veux être sur l'île de machin là. Sauvegarde, sauvegarde Jean-Pierre. Oh, il est où machin? Merde. Oh, je vais avoir plein de glandes.
Regardez, des glandes partout. Hop. Alors, il est où? Il est là. Voilà un vieux. Un petit c'est vieux. Toi, Oru? Quoi? Es-tu le chasseur qu'on appelle Oru? J'ai un poil roux. Comment ça, un poil roux? Oru! C'est moi. Tu es au local, n'est-ce pas? Es-tu vie... venu pour la te vieille blague du vieux content plus. Du calme, vieillard. C'est Shammaz Caleb qui m'envoie. Qui? Quoi? Shammaz Caleb. Je t'ai déjà dit que je m'appelais Oru. Caleb est à Siana. C'est Shammaz Caleb qui m'envoie ici. Je dois me rendre sur l'île des Gorgores. L'île des Gorgores? Pourquoi tu dis pas plus tôt? Tu as mon arme? Ton quoi? Mon arme, toi sourd ou quoi? Tu peux parler. Fous de ma gueule, quoi. Quoi? Non, rien. Rien? Tu peux m'y emmener ou pas? Tu es prêt à m'aider à tuer le Bargor. Loué soit l'Iod. En voilà enfin de courageux. Je me moque du Gorgor, mais j'ai besoin de récupérer le Mon. Avant de partir, il faut que tu m'amènes quelques fournitures. Ah là là. C'est quoi, un Gorgor? Ils ont en eux toute la colère de Delpha. Leurs yeux reflètent la mort de ceux qui les combattent. Un véritable caniche, quoi. Si tu les négliges, ils te prennent ton essence. Une seule fois, j'ai baissé ma garde. Je paye cette erreur depuis des lunes. Ils sont dangereux? J'ai tué un Gorgor, Ulukai. C'est son partenaire qui m'a blessé au dos. Comment tu as fait pour le tuer? J'étais un gardien. Avant que Ferran et Croax ne prennent le pouvoir, j'ai appris à utiliser mon essence fée pour me défendre et défendre les autres. Avec Turan, mon... Ton quoi? Rien. Tu perds ton temps avec tes questions sur le Gorgor. Tu le verras bien assez tôt. Quand tu m'auras amené ce dont j'ai besoin. Je me rappelle plus de ce combat avec le Gorgor. Parle-moi de Kuran. Il est très égoïste. Quand le règne de Ferran a commencé sur Adelpha, il s'est caché comme un écureuil peureux. Il va essayer de faire fortune quelque part sur Adelpha. Il avait peur? Kuran? Il n'a peur de rien, sauf du travail. Quand Croax a commencé à obliger les Talan à travailler pour Ferran, Kuran s'est enfui pour ne pas travailler. C'est un fainéant, alors? Non! Il travaille dur à ne rien faire. Ça veut rien dire. Il cherche à gagner le plus de Zorkin possible. Il est prêt à vendre n'importe quoi, à jouer, à tromper les Talan. Toute son énergie passe là-dedans. Il travaille encore plus que les esclaves de Ferran. J'ai déjà connu quelques types dans le genre. Si tu rencontres Kuran, gare à tes Zorkin. Il sent les Zorkin à 100 mètres à la ronde. Des fournitures? Mais je veux simplement aller là-bas. Pas des fourrures, des fournitures. Pour un être supérieur, tu parles bien mal. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai besoin de deux choses. D'abord, retourne chez Shammaz Caleb et demande-lui mon arme. Il la garde depuis bien des lunes. Écoute, je ne veux pas aller à la chasse, je me fous de ton Gorgor. J'ai juste besoin du Mon. Tu iras aussi voir Zélé. Le marchand, à Siana. Dis-lui que j'ai besoin de 5 recharges pour mon arme. Il comprendra. Allô, ici Planète Terre. J'ai juste besoin d'un bateau pour me rendre sur cette île. Seul, s'il le faut. Allô? Non! Ce Gorgor m'appartient. Il a détruit ma vie. Par sa faute, je suis un chasseur raté. Je le tuerai moi-même. Ok, j'irai te chercher ce que tu demandes, mais à condition que tu m'emmènes avec toi sur l'île. Fais vite! J'entends déjà ces cris moqueurs.
Je verrai ces tripes avant que mon essence ne retourne sur la Delpha. Allez, on va chercher l'équipement du mec. Ils me tirent dessus les petits cons. Est-ce qu'il m'a attendu l'autre? Oui, il m'a attendu. C'est bien, je vais pas me faire becter. Hop là! Merde. Quel con. Allez. Peux-tu me ramener à Sian? Avec plaisir. Merci. Non mais on t'entend pas. On s'en fout, on t'entend pas. Ouais mais on t'entend pas. Voilà. Moi je me casse. Hein. Alors on va aller voir Caleb. Je sais pas si t'es encore la Bibi. Caleb, c'est pas le nom du méchant dans. D'un des méchants dans. Vu que je sais que t'as regardé il y a pas longtemps. Dans Buffy? C'est pas Caleb? Je sais plus. Horu dit qu'il a besoin de son arme. Il va t'aider? Je savais que tu le convaincrais, Ulukai. J'espère juste qu'il sera capable d'oublier le passé. Son arme se trouve dans le temple englouti de Milea. Au sud-ouest de Siana. Le temple englouti? Oui, mais la porte d'entrée fonctionne toujours. Tu devras trouver deux boutons au sud-est du temple, je crois. Il faut appuyer sur ces deux boutons en même temps. Tu auras donc besoin de l'aide d'un Talan. Peux-tu m'accompagner? Non, on a besoin de moi ici. Mais tu trouveras toujours un fermier ou un chercheur de trésors disposé à t'aider. Méfie-toi des eaux. Comme partout dans la région d'Okasankar, elles peuvent être fatales. Ne t'éloigne pas du temple. Ok. Mel. Qu'est-ce que le Milia? C'est le chemin que suivent les quatre essences lorsqu'elles sont en harmonie. Ka est l'essence de l'air, Ganda celle de la terre, Fé celle du feu, et Eloui celle de l'eau. Ok. Quand les quatre essences forment la voie circulaire de Milea, aucune essence ne contrôle les autres. La lune est alors agréable sur Adelpha. Sinon, les tempêtes et les catastrophes ne tardent pas à arriver. Ok, next, le marchand. Tac tac, hop. Allô? Ah, le v'là le recréateur. Hey, on salut. Peut se voir un instant? Salut! Bonne lune à toi, Ulukai. Je... Je suis heureux de te voir. Les Ça gueux. Va pas? Les gueux? Si. Si, Ulukai. Je suis malade en cette lune. Ne... Ne t'inquiète pas pour moi. Tu veux de l'aide? Non. Je suis toujours malade toutes les centaines de lunes. C'est cette terre humide dans nos Okasankar. Mais parlons de toi.
Tu as besoin de mon aide. C'est un peu bizarre, hein. Aide. Comment peux-tu m'aider? Je peux te fabriquer des recharges. Vraiment? Raconte. Il y a quelques lunes après ton arrivée, les soldats sont passés dans chaque région, comme une grande vague, en prenant tous les objets sacrés que les Talan avaient ramassés sur leur passage. Certains Talan ont réussi à en cacher, mais la plupart... Alors ils les ont? La plupart, oui. Zernar, le chef de la cité de Siana, a vu certains de tes objets dans les camps militaires au sud de la région de Kassankar. Il y a aussi d'autres objets que je ne connais pas encore. Ok. Tu peux fabriquer ça? Oui, Uluka. Oh là là, mais tellement de trucs. Oui, non, mais ça, j'ai déjà posé la question. Bon. Il est où le... Il est où le marchand? Ah bah ouais, salut. On peut se voir un instant? Salut. Je me présente, Zafar. Je peux te vendre tout ce que tu veux. Salut. Je me... Pour l'instant, il a rien à me vendre. Il a rien à me vendre, c'est super. Je peux vendre tout ce que tu veux. Il a rien. Est-ce que... Trouver Talan. Marchand, il est où? Alors, ça... Je suis dans le Loka Sankar, voilà. Trouver un bloc des liens, mot hasard, pour réparer le phare. Ourou a parlé d'un Talan nommé... Ouais... Voir zélé pour les munitions de l'arme de roue. Ah d'accord, ok. Trouver l'arme de l'un. Ok. Toi random, ok. S'il vous plaît, monsieur. Orou m'a dit de te demander des munitions. Il repart à la chasse aux gorgoles. Alors on sera bientôt deux à être réintégrés. Tant mieux. Je me sentirai... Ça t'arrive d'avoir des clients? Pas vraiment, non. Je crois comprendre pourquoi, écoute. Orou m'a dit qu'il voulait 5 munitions. Seulement 5? Il cherche à se faire réintégrer rapidement. Alors il lui faut 5 dagarak et 5 bouillottes. Est-ce que tu vends ces bouillottes, oui ou non? Avant, oui, Molokai. Mais personne ne m'en achète plus depuis des lunes. Je dois être un très mauvais marchand. Va savoir. C'est mon ancien assistant Zafar qui me les fournissait. Parle-moi de Zafar. Tu t'intéresses plus aux autres Talan qu'à moi. Oh, le relou. Mais non. Je comprends surtout que personne ne s'intéresse jamais à moi. Allons. Zafar était mon assistant. Il a été bien avisé de me quitter pour se mettre à son compte. Il me livrait des bouillottes qu'il trouvait dans un endroit secret. Aujourd'hui, il gagne beaucoup de zorkines. Je devrais peut-être travailler pour lui, mais il ne voudrait sûrement pas de moi. C'est quoi un dagirak? Les fleurs que tu cherches sont vénéneuses, Ulukai. J'en mangerai bien quelques-unes, mais il paraît qu'elles ont un goût ignoble. Je m'en procure comment? Elle pousse sur l'île, à l'est de chez Orou. Mais aucun bateau ne voudra t'y emmener. Pourquoi? On a aperçu des gamores là-bas. Tu devras revenir sur l'île d'Orou et trouver un moyen de traverser. Un conseil, Ulukai, n'essaye pas de traverser à la nage. Ok, ça va être chiant. Va y avoir des allers-retours, hein. Bon, machin. Approche un peu, tu veux? Salut.
Ai-je le grand honneur? À ce qui paraît, ouais, vu mon t-shirt. Je me présente, Zafa. Un mône, par exemple? Non. Ça coûtait rien d'essayer. Il me demande si j'ai un mône. Tu es drôle, Urukai. Je... Mais c'est okay. Quoi, ce boulot? Il y a un Talan qui vole des orquines dans la caisse près de mon étal. Nous sommes obligés d'avoir nos orquines à portée de main pour que les soldats prélèvent l'impôt plus facilement. Mais il y a un Talan qui en profite pour se servir. Si je l'attrape, tu me donnes quoi? Je te récompenserai si tu l'arrêtes, Lukai. Retrouve mes orquines et nous en reparlerons. Ok, et comment je le reconnaîtrai? Aucun autre Talan que moi ne doit toucher à cette caisse. Si tu surprends un autre Talan, c'est donc le voleur. Mais il n'est pas idiot. Il n'agira pas en ta présence, il faudra te cacher pour surveiller l'endroit. Qu'est-ce que tu sais des bouillates? Ce sont des petites plantes qui poussent dans les endroits chauds. Quand elles sont broyées, elles peuvent endormir un Talan. Oru m'a demandé d'en ramener 5. Oru repart chasser le Gorgor? Je ne croyais plus voir ça de mon vivant. Tu crois qu'il me laissera vendre la tête? Aucune idée. Tu les as? 5 bouillates? Non. Je n'en ai qu'un que je serais heureux de te vendre à bon prix. J'en avais un autre il y a 2 lunes, mais je l'ai vendu à Martigar, juste avant qu'on l'envoie à Sorcatraz. Je crois que c'était un gardien. Où est-ce que je peux en trouver d'autres? Si ça t'intéresse, Urukai, je peux te vendre l'information. Évidemment, évidemment, évidemment. Que peux-tu me dire à propos de Sorcatraz? Sorcatraz. Tu ferais mieux de ne pas traîner par là, Urukai. C'est la base de tous les soldats de Loka Sankar. On y accède qu'en bateau. Ah, attendez. Ça me dit quelque chose. Sur le téléphone. Oui, je t'ai parlé du Talan qui m'a acheté mon dernier bouillat. Les soldats l'ont emmené pour l'interroger. Ils pensent qu'il s'agit d'un gardien espion. Je me demande s'il a encore ce bouillat. Bon bah je vous confirme que Jeff fait travailler ses employés le dimanche. Voilà, c'est... j'hallucine, mais voilà. C'est le cas. Du coup, j'ai pas eu le... Que peux-tu me dire à propos de Sorcatraz? Oui, je t'ai parlé du Talan qui m'a acheté mon dernier bouillat. Les soldats l'ont emmené pour l'interroger. Il pense qu'il s'agit d'un gardien. Ok. Où poussent les bouillats? C'est un prix spécial. Ça va, c'est pas cher. Ok, je t'écoute. Merci, Urukai. Tu es aussi naïf que le disent les Talans. Ah putain. Naïf? Hein? Généreux, je voulais dire généreux. Quel connard. Je ne maîtrise pas bien ta langue. Les bouillats poussent derrière la flamme du Drosham. Derrière la flamme? Oui, il y a une petite pièce derrière la roue des essences. Il faut désactiver la flamme pour y entrer. Et comment je fais? Ah oui, d'accord. Contre quelques orquines, je peux me souvenir. Je suis en train de me faire extorquer. Combien pour que tu me dises comment désactiver la flamme? Je vais te faire un prix d'ami, Urukai. Tu m'étonnes qu'il peut être riche, lui. Ok, ok, parle. Pour franchir la flamme, tu dois toucher 4 fois la roue des essences située derrière la flamme avec un projectile. L'ordre est celui de la voix de Milea. C'est-à-dire? Pour être franc, Urukai,
Je n'ai pas une très bonne mémoire, mais tu trouveras la réponse sur la paroi externe du temple englouti de Milea. Vas-y, et tu connaîtras l'ordre. J'ai même marqué les sens de départ et le sens à suivre. Ok. Combien tu veux pour ce bouillat? Je dois te demander des orchines, mais... C'est d'accord. Oh, en train de me piquer tout mon pognon. Tu penses qu'Oru va tuer le Gorgor? Tu m'as compris. S'il y parvient, j'en vendrai des morceaux au Talan. Qu'est-ce que tu peux me dire sur ce Darosham? Un immense temple se trouve au sud de Siana. À l'intérieur, une grande flamme jaillit du sol lorsqu'on s'en approche. C'est cette flamme qu'utilise Ferran pour réintégrer les essences de ceux qui lui sont inutiles. Qu'est-ce que tu peux me dire sur ce temple englouti? À l'entrée de Siana, tu suivras la direction sud-ouest pendant un long moment. Tu apercevras alors les parois d'un temple qui apparaissent hors de l'eau. C'est le temple englouti de Milea. Ok. Bon, j'ai trop de trucs à faire là. Des sous. Bon. Donc là, il y a un truc sur lequel faut appuyer. Il est où le deuxième? On a un là. Et le deuxième est... On a un là. Et le deuxième c'est où? Le deuxième. Allez le deuxième. Là? Non. Non. Ah, est-ce qu'il peut pas m'aider lui? Je me demandais si tu pourrais m'aider à appuyer sur quelques boutons. Voilà. Pourquoi faire, Rukai? Ah, oh, mais je te demande pas pour pourquoi. Ouvrir la porte du temple englouti. Non, ce trésor m'appartient. Quel trésor? Je veux juste ramener une arme, c'est tout. Tu n'as pas le droit d'y toucher. Voilà des lunes qu'Egar cherche le trésor. Écoute, Egar, pour l'instant, je me fous complètement de ton trésor, ça te va? Je ne te crois pas. Bon, tu sais quoi? Je vais demander un coup de main à quelqu'un d'autre. Non. Non. Personne d'autre ne doit savoir. Je vais t'aider. Ah, le mec. Je savais que tu finirais par comprendre. On doit appuyer ensemble. Alors tu comptes 1, 2, 3, et à 3, on appuie en même temps. D'accord? T'inquiète pas, Lukai. Mais fais bien attention là-bas. Ça peut être dangereux. Ah, mais il y a un bouton ici. Ah, mais oui, d'accord. Ok. Il m'a suivi ou pas? Il est où? Et il est où? Ah merde! 1 2 3. Vas-y! Génie! Trop bien! Trop bien! J'ai failli le foirer hein. J'ai failli bien le foirer quand même hein. Ils vont me buter là les machins là. Bon.
Sauvegarde. Alors, paf, paf, paf. Merde, il y a des... Il y a les gardes qui sont arrivés. Ils arrivent d'où? Ah, les salauds. Petit enfoiré de garde. Mais pourquoi ça tire en l'air comme ça? Oh là là, mais... Ça saoule quand ça fait ça. Bon, qu'est-ce que tu m'as filé, toi? Bon, je vais parler à Edgar. Là. Il est où? C'est pas où il est. Non, ça c'est... C'est machin qui est mort, ça. Edgar, il est toujours au bouton? Bah non. Edgar, il est parti. Qu'est-ce que tu peux me dire sur le Darosham? Le Darosham, c'est le grand temple où tous ceux qui ne servent pas les intérêts de Ferran sont réunis. Ok. Qu'est-ce que tu peux me dire? C'est Ferran qui a aménagé cette île pour ses soldats. On y accède qu'en bateau. Ah, il y a de l'approvisionnement régulier. Ok. Ah, regardez. Donc je sais dans quel sens il... Enfin, faut que je regarde. Hop. C'est quoi le sens du coup? Alors, c'est le rond. Le rond, le N, la montagne et le Z. Rond, N, montagne, Z. Non mais c'est... on commence par lequel? On commence par le rond. Rond, N, montagne, Z. On va y arriver. On peut le faire. Alors. Rond. N. Montagne. Z. Hop là. Waouh, c'est brûlant ça. Ah merde, merde, merde. Putain. Ça me fait crever cette connerie. Faut se dépêcher. Ce vieux bruit naze.
Vite. C'est ouf. Tout ce qu'il y avait, hein. Oui. Ce vieux bruit. Ah. Ah. Ok. Bon, mais du coup, j'ai récupéré le machin. Et là, je pourrais monter les marches histoire de voir ce qu'il y a en haut. Petite dynamite. J'ai un truc faire péter 10 dynamites là. Un succès pour les 10 dynamites. Faudrait que je tente ça. C'est quoi, c'est F5 non? Ouais. Hop. 1. 2. Ah merde, s'il les rattrape au fur et à mesure, ça va pas le faire. 2. Hein. 3. De toute façon, je les utilise pas alors. 4. 5. 6. 7. 8. 9, j'ai bien compté, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ouais. 10. Merde. Et un petit dernier pour la route, histoire d'œuf. Hop. Merde. Non mais... Pourquoi ça a pas fait péter les autres? Oh là là, mais quel... Écoute de merde. Bon, il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. Huit. Neuf. Neuf toujours. Et 10. Bon, normalement ça devrait péter là. Yes. Oh, j'ai même pas eu mon succès. Quelle honte. Quelle honte, j'ai pas eu mon succès. J'ai récupéré le bazar. Maintenant. Maintenant, il faudrait que j'aille sur la cité machin là. Alcatraz. Il y avait machin aussi, celui qui vole là, qu'il fallait que je récupère là. Est-ce que par hasard je peux pas essayer de gauler le mec qui pique du pognon? Est-ce qu'il faudrait-il pas que je monte sur le truc là pour surveiller?
Oh, je l'ai chopé. Merde, merde, merde. Il a pris la tu... Vite. Il est où? Putain, il s'est barré où? Merde, c'était lui, mais je l'ai pas chopé... Je l'ai pas chopé direct. Regardez, il revient. Il va me refaire la même. Merde, il m'a vu. Non ? Il a piqué des sous ? Par toi, toi. Non, 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 je t'ai vu, je t'ai vu. Vu ? Quoi ? Comment faut faire ? Comment faut faire ? Je me cache là, ça marche. Hop, il fait le tour là, tout ça. Mais parez-vous les nuls. Ils vont me gêner, ils vont me gêner. Ah bah lui me passe à travers lui. Ça y est, Larsin. Larsin. Regardez, il va courir vers le truc. Je vais le pécho. Vol. Il pique pas. Tu veux aller trop tôt, c'est ça? Je t'ai vu. Hein? Tu te fous de ma gueule ou quoi? Oh. Oh! Et non mais il a le truc dans la main? Ah, ce bug. Vas-y, j'ai trouvé qui c'était. Non mais... Oh... Oh, on va faire autre chose hein. Bon allez, déjà on va faire une pause. On va faire une pause parce que j'ai envie de pisser. Voilà. Bon. Petite pause et à tout de suite.
Et le revoilà. Alors, on va en arriver à bout quand même de cette zone. C'est la zone. Ouais, du coup l'autre voleur là, on verra ça une prochaine fois. Hein. On va essayer d'aller à Zarkatraz. Et donc pour la Zarkatraz, je pense qu'il faut suivre machin là. Faut lui parler. Il va nous dire je n'ai pas le temps. Et derrière on le suit. Tu peux m'emmener à Zorka... Zorkin. Combien? Beaucoup. Oh là là, le chien. Ok, voilà. Allez, écoutez bien. Allez dans l'eau. Restez près bateau. Quand prévenir, toi aller sous l'eau jusqu'à moi arriver ponton. Si toi remonter, moi aller très vite et t'abandonner. Surquet, toi utiliser corne pour appeler moi. Moi pas venir si trop de soldats. Compris. Eh mais tu deviens bavard là tout à coup. Oui. Ulukai, plongez. Ce genre de quête à la con. Et il vient me faire faire 12 tours. Ah, il a l'air d'avoir un paquet d'ennemis hein, par contre. Hein. J'aurais peut-être dû sauvegarder. Hein. Bon, ils m'ont pas vu. Ulukai, plongez. Je vais avoir assez d'air, moi, parce qu'à un moment il est mignon, lui, mais. Truc là, qu'est-ce que c'est, hein, quoi? Il y a un trou ici. Ah. C'était pas vraiment un trou. Alors, est-ce que je peux remonter sans me faire griller? Oui. Bon, on va sortir et puis on va commencer à tirer dans le tas, hein. Comme d'habitude. Ah mais non, je peux pas sortir n'importe où, faut qu'il y ait des escaliers. C'est vrai. J'avais oublié qu'il était débile et qu'il pouvait pas sortir s'il n'y a pas d'escalier. Là, il n'y en a pas. Bon, on va essayer de trouver de l'autre côté.
Mais ils sont où? Mais ils sont où? Mais merde, c'était là normalement. Oh là là, mais c'est quoi ce bordel? Ça y est, je suis paumé. Tu peux pas monter sur le rebord là, vraiment. Vraiment. C'est trop haut pour toi. Putain, mec. Le mec, je suis un évisile et tout. Je fais des trucs de ouf. Ouais, mais sauf que bon. T'arrives pas à grimper sur le rebord de la piscine, quoi. Ah, peut-être là, non? Yes. Merde. Bon, et deux. Il regarde son pote. Merde. Putain, mais c'est pas possible. C'est pas possible de viser aussi mal. Bon, allez, lui il est mort, c'est bien. Comment je fais? Ah, je peux le faire comme ça. Ok. Allez. Merde. Je peux pas sauter. Merde. Ils vont tous venir un par un pour venir. Ils vont tous venir crever ici, quoi. Ce qui me va, hein. Merde. Merde. Comment j'y vais? Vraiment, comment j'y vais? J'en ai aucune idée, quoi. Oh, ils sont là-bas. Alors il est où? Viens là. Il est là. Mais par contre, je sais toujours pas comment y aller. Ah, faut que je continue, d'accord, faut que j'aille dans le bassin d'à côté. Là je tombe, ouais voilà, je pense que c'est ça. Ok. Peut-être qu'on a la solution. Maybe. Pas évident, évident à comprendre. Hein. Là, il y a des escaliers, ok.
Hop. Ça, ils peuvent faire le tour. Meurs. Oh, bah. Il est tombé dans l'eau. Tu. Coffre. Métal, métal, de la tunasse, ouais. L'autre m'a... Maintenant que l'autre m'a plumé, là. Ah, comment je me suis fait plumer par l'autre, là. C'était assez infâme, hein. Plus jamais. C'est quoi ça? Une clé? J'imagine qu'il faut une clé. Hop là, oh là. Petite frayeur là, le perso qui glisse. Le carnage. Le carnage, j'ai buté tout le monde quoi. Tellement de thunes. Une clé. Hop là. Ah voilà. Une affaire rondement menée. Oh, tout ça pour ça quoi. Allez, on va les sauver machin. Je me rappelle d'aucun nom quand même dans le jeu. Hein. C'est assez ouf. C'est tellement de persos. Je me rappelle de zéro nom. Ah, la clé, c'était le grand balèze qu'il avait. Donc c'est lui que j'ai buté ici. La clé. Deux clés de Zorkatraz. Bon. On peut se voir un instant. C'est toi, Martiga? Ulukai? Qu'est-ce que tu fais là? Je te tire de là. En écoutant les soldats, j'avais compris que tu étais dans les parages. Je ne me croyais pas assez important pour que tu viennes me sauver. Pourquoi tu fais ça? C'est pas par pure générosité. Non. Je me demandais si tu avais encore ce bouillade que tu as acheté à Zafar. C'est pour ça que tu es venu? Ouais. Tu l'as? Bien sûr, Lukai. C'était pour les gardes, mais apparemment, je n'en ai plus besoin. Tu as parlé d'une dent de Gorgor. Pourquoi? J'ai trouvé ça près de la roue des essences. Oh non. Désolé, Martigar. Il n'aurait jamais dû. Mon père était si courageux, mais si radin. Il est sûrement auprès des Yodes à présent. Oui, je sais. Merci de m'avoir rapporté ça, Ulukai. Je veux te remercier en t'offrant quelque chose. Je ne rappelais même pas que j'avais récupéré ça. Tu ne me dois rien. Je suis sûr que mon père aurait voulu que je te donne ça. Ça te servira à combattre Ferran et les siens.
J'accepte, Martigard. C'est quoi qu'il m'a donné? Bon, je t'aide à te tirer d'ici? Non, je dois rester. Quoi? T'es sérieux? J'ai reçu l'ordre de me faire capturer. J'ai acheté le bouillat pour pouvoir m'échapper quand j'en serai suffisamment sur Ferran. J'ai fait tout ça pour rien, alors? Je te remercie, Ulukai. Tu es un véritable héros. Ne t'inquiète pas pour les soldats. Je peux m'en sortir tout seul. On a fait ça pour rien. On a fait ça pour rien? Bordel. Ah oui, faut que je ressorte. Faut que je souffle dans le machin. Je souffle dans le bignou. Le fait de se barrer de Zorkatraz, le. Putain, il va à une vitesse. Le nom du succès, c'est The Rock. Tu veux retourner à Siana? Oui. Oh là là, mais il pagayait à une vitesse. Regardez ça. Et le mec est sous... Le mec est sous coke, quoi. Il a donf, là. Ah, mais il y a tellement de trucs, là. Mais c'est la mort, ça, c'est la mort en boucle. Hein. Même pas j'y vais, hein. Merci machin. Du coup, je ne sais plus. Ok. Et donc l'autre, faut qu'il me ramène sur l'île et faut que j'aille à côté, sur l'île d'à côté, ok. Alors mec, ramène-moi là-bas. Allons chiot. Comme tu veux, mais souviens-toi, si tu tombes... Ouais, vas-y, on y va. Non, on entend vraiment rien ce qu'il dit lui. Hein. C'est bien bugué. Hein. Ouais, vas-y, vas-y, raconte ton histoire. Quoi? Pourquoi ça a pas marché? Putain, ça a pas marché. Allez. Merci. Merci le jeu. Bon, je suppose qu'il il faut que je suive les machins, là. Sans me péter la gueule. Genre pas comme ça, quoi. Genre pas comme ça. Et saute. Débile. Allez, phase de plateforme, c'est pas mes préférés, hein, je vous avoue. Hein. Merde, il y a encore des chiens. Des toutous chiens. Ok, et dehors. Oh, j'ai quasiment plus de mine par contre. Ok.
Bon, ça c'est ok. Je peux pas faire exploser des machins. Ah, regarde ça. Hop. Pas mal ça. Mais vise le chien. Voilà. Fallait viser le toutou chien. Hop, ça c'est ok. Bon bah j'ai réussi à récupérer les merdiers. Très bien. Ah, encore là. Et il y en a encore. Il n'y en a plus. Il y en a encore. Je crois que j'ai fait le tour. Je crois que j'ai fait le tour. Oui, il n'y a plus qu'à revenir. Ok, bon, au niveau des quêtes, j'en suis ouf. Je vais regarder dans mon inventaire combien j'ai de trucs, quoi, mais... les daguerrac, il m'en faut, j'en ai 10. Ouais, j'ai 10, 10 et 10. Enfin, 10 et... non, c'était 5, ouais. Ah, voilà, je me comprends. C'était 5 et 5 qu'il fallait. J'en ai 10 d'un et 5 de l'autre. Je vais me faire défoncer. Voilà. C'était évident. Pourquoi il y a un point rouge? Pourquoi il y a un point rouge? Pourquoi il apparaît comme méchant? À propos de ces fournitures... Quoi? Les voilà, emballées et prêtes à servir. J'ai fait un petit tour sur moi-même. Enfin! Je vais pouvoir réaliser mon destin. Viens, partons. Dis-moi, les bouillates et les daguerrac, ça leur fait quoi au Gorgor? Tais-toi, je dois concentrer mon essence. Ok. C'est encore loin, ton île? Tu veux descendre maintenant? Non. Ce sera long encore? Tu es impatient de chasser, hein? Non. Ton Gorgor, je m'en tape, Oro. Je veux juste le mon. C'est important, hein? Oui. Comme la mort de ce Gorgor pour moi. À chacun son destin. C'est long, hein?
bon, il y en a encore pour longtemps. Qu'est-ce qu'il y a, Hulukai? Tu as peur en bateau? Attends, je suis un Seals de la marine américaine. La mer, ça me connaît. Alors, peux-tu te taire pendant que je me prépare à cette bataille? Mais qu'est-ce qu'il t'a donc fait de si terrible, cet animal? Tu ne comprends pas les lois des chasseurs fées. Ce Gorgor a gagné la dernière bataille et a failli me réintégrer. Mais il m'a laissé en vie. Tu devrais être content d'avoir survécu. Non, j'ai échoué. Lorsqu'un animal ne réintègre pas un adversaire vaincu, c'est qu'il méprise sa force et ne le craint pas. Et malheureusement, ce Gorgor m'a laissé en vie. Ce n'est qu'un animal, Oro. Ça ne réfléchit pas à ce point. C'est le truc énorme, là. Le Gorgor est différent. Il est malin. Tu verras. J'ai autant prié pour que cette lune arrive. Et il sait que je reviens pour me faire respecter. Attendez, c'est le dinosaure géant, là. T'es vraiment bizarre, tu sais, Oro. Tu verras. Tu verras. J'ai pas envie d'affronter le dinosaure, là, moi. Ah non, non, non. Viens, Oro. On y va. Oh! Mais qu'est-ce que tu fais? Putain, Oro! Mais pourquoi t'as fait ça? Je ne quitterai pas cette île sans avoir vaincu le Gorgor. T'as pété un plomb? J'aime bien son arme, par contre. Comment on va faire pour se casser d'ici, maintenant? Nous nous en inquiéterons une fois ma destinée accomplie. Ah, mais y a le dinosaure, là. Arrête-toi! Tu veux? C'est quoi ton problème? Le Gorgor! Bordel! Le Gorgor n'est qu'un nom pas fait d'animal. À cause de quoi on est coincé sur cette île, vieux débile. Tu pleurniches comme un toana. Quelqu'un va venir. Ils voudront savoir qu'est-ce qui fait tant de bruit. Ah oui! Merci de jouer à pile ou face avec ma vie, Oro. Je suis ici pour une seule raison et tu vas tout faire merder maintenant? Tu veux vraiment ce monde? Ben, il est là-bas, sur la petite île au nord-est d'ici. Mais tu ne peux pas aller là-bas. De quoi tu parles, là? Les eaux sont pleines de sanectas entre cette île et l'autre avec le monde. La seule créature qui peut traverser sans être réintégrée, c'est le Gorgor. Les sanectas le craignent et fuient quand ils sentent son odeur dans l'eau. Oro, je suis à deux doigts de te balancer à l'eau. Tu m'avais promis de m'emmener chercher le monde. Arrête de pleurnicher, Hulukai. Quand j'aurai réintégré le Gorgor et accompli mon destin, tu n'auras qu'à rester à côté de lui pour prendre son odeur et... La ferme, vieux débris. Je peux pas croire que je me suis fait avoir comme ça. Oh là là, c'est pas du tout je ça. Je récupère ce monde et je me casse d'ici. Tu as peur de la traduction était pas bonne, hein. Tu as raison. Il est très dangereux. Oui, oui, je sais. Aussi grand qu'une maison, il franchit les montagnes d'un saut, blablabla. Être supérieur. Ne l'avait, oui. Il sera certainement réintégré à la seule vue du Gorgor. Bon, comment je fais pour aller là-bas maintenant? Il va se faire bouffer, hein. Ça va ici, là-dedans. Bordel, Oro, est-ce que... Quoi? Qu'est-ce que tu dis, Hulukai? Non. Oh non, le jeu a pas planté. Oh si. Oh, le jeu a planté. Oh, je vous promets, le jeu a planté. No joke, le jeu a planté. Alors, est-ce que ça va m'avoir sauvegardé quelque chose ou pas? Là est la question. J'espère que ça a sauvegardé. Je peux même pas relancer le jeu. Qu'est-ce que c'est que ce merdier? Windows considère qu'il est toujours lancé. Ah non, c'est bon, je peux relancer le jeu. Bon bah j'espère que ça va marcher. Play.
J'avais sauvegardé où, je sais plus. Lexique accédé. Oh non, me dis pas que c'est avant que j'aille chercher les merdes. Oh. Faut que je retourne chercher les merdes. Putain. Putain, le jeu qui plante là. Oh là, saute, 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 saute. Ok, bon. Ok, c'est bon. Ça a été rapide. Oh, si le jeu plante, par contre, j'ai les boules. Hein. En plus, on n'aura pas la blague de vieux man là qui se fait bouffer, quoi. Ouais, je vais quand même passer la cinématique, hein, parce que... Hop, ça s'est pris. On est combien là? 11. Bon, j'ai fait pour en avoir 11 tout à l'heure, j'en avais 10. J'en ai plus que tout à l'heure. Bon. Soit. Soit. Alors faut que je bute celui-là là, qui m'emmerde là. Voilà. Voilà, ça c'est fait. Lui, il m'emmerdera moins. Non, il se travaille aussi lui ou pas? Oh, il est mort. Ok. Bon, je sauvegarde avant de parler à Vieuxman. Bien évidemment. Hop, 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 hop. Tac. Vas-y, sauvegarde. Non, non, sauvegarde. Voilà. Ça va être mieux. Hop, apporte l'équipement. À propos de... Quoi ? Ouais, vas-y, 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 vas-y. Allez, allez, allez. Enfin. J'ai autre chose à foutre. Là, quitter film. Oh putain. Aïe. Ah mais... On est pris dans une boucle tous les deux là.
Aïe. Non. Mais avec t'es. Je vois rien. Oh putain, mais c'est pas possible. Tiens donc, vous ici. Rabia, oh là là, chiasse. C'est pas un Twanar, un Twan A. Un Twan A. Twan A. Non, ça c'est un dinosaure. À propos de ces fournitures. J'ai autre chose à foutre, autre chose à foutre. Arrête, 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 arrête. 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 Comment ça s'est passé? Est-ce que t'as eu la fève? Oh mais le jeu a bugué. Oh mais le jeu a encore bugué. Le jeu a bugué. Le jeu a bugué. Un petit Alt F4. Dans sa gueule. Lexique accédé. Ouais. Hop, allez. À propos de ces... Quoi? Enfin. Hop, quittez film. Il fait du dommage ou pas? Ah non. Merde. Merde, il m'a pécho le connard. Je vois rien, je vois rien. Jean-Michel caméra. Jean-Michel caméra. Jean-Michel caméra. T'as pas eu la fève? Oh là là, quel dommage. Quel dommage. Oh, c'est super, non mais c'est super, voilà, je suis bloqué, je suis Keblo. Il est mort? Merde, merde, merde. Oh putain, Jean-Michel la caméra. Jean-Michel caméra. Caméra, caméra. Caméra 1, caméra 2. Allô? Putain, mais j'ai plus de munitions. La caméra qui est aux fraises. Ah mais c'est pas, je suis pas vénère, hein. Je suis pas vénère. La caméra est géniale. Vraiment, changez rien. Changez rien, la caméra est super. On voit rien. L'autre nous attaque comme un glandu et on voit que dalle. Enfin. T'as eu des cadeaux de Noël? Oh, t'as eu quoi? T'as eu quoi? Hein, dis, t'as eu quoi? Oh, c'est pas celui-là que je veux en plus.
M'en fous. Putain mais regardez ça, mais c'est de la merde. Voilà c'est de la merde. Voilà c'est de la merde, ce boss c'est de la merde. Voilà, caméra aux fraises. Super, je vois sa bite, super. Je suis ravi. Ramasse le truc. Putain de merde, le cas... Nul à chier. 0 sur 20. Combat 0 sur 20, nul. Je ne conseille pas. Putain mais c'est infernal, non mais il est dégueulasse. Hein. Putain mais il est dégueulasse ce boss, c'est de la merde. Regarde ça, voilà je peux rien faire. Je peux rien faire, c'est super, c'est j'adore. Je kiffe ma vie. Putain quoi. On lui cramer le cul. Super, ça ne fait rien. Voilà, non mais super. Non mais il est génie ce boss. Hein. Je sais pas qui a eu l'idée de le faire mais il est super. Du miam, du glouf, super. Mais non, mais putain! Mais laisse-moi me barrer au moins! Oh là là, c'est de la merde! Je peux même pas me barrer! Putain, mais. C'est de la chiasse, hein! Non, mais. Oh là là, mais. Mais quelle merde! C'est de la merde. Voilà. Ah super, et maintenant je me crame le cul. Ah voilà, je me suis cramé, c'est super. Ah c'est vraiment de la chiasse. Hein. Je sais pas qui a eu l'idée de ce boss, mais zéro. Hein. Tu vois rien, tu peux rien faire. Allez, démerde-toi avec ça, quoi. J'adore. Plus j'ai envie de pisser. À propos de ces fous. Ça aide pas. Là, ça va me saouler. Hein. Ça va gentiment me saouler. Bon. Mais je peux pas me barrer. Je peux pas me barrer. C'est juste ça. Je peux pas me barrer. Et ça, dès que je tombe. Voilà. Ah non, c'est bon là. Regardez. Il est débile. Mais cours toi. Mais non mais casse-toi. Oh là là là, mais casse-toi. Oh. Sublime. Ah sublime.
Génial, franchement. Refaites-moi le même plus souvent. Hein. Le même boss là plus souvent, ouais. Ouais, non, vraiment bonne idée. Bon design. Bon design en plus. Non, c'est pas lui que je voulais en plus. Mais pourquoi tu sautes? Mais oh, mais qu'il est débile. Mais qu'il est con. Mais qu'il est con. Et voilà, je me fais choper en boucle. Mais mourre, mourre. Putain. Voilà, je vois rien. Je vois rien, je me refais choper en boucle, voilà. Là je tire au hasard. Je vous le dis. Je suis obligé de tirer au hasard parce que voilà. Voilà ce que je vois. Sublime, hein. Ah bah, mais il était dans l'autre sens. Ah bah voilà. Putain, mais combien? Combien de munitions faut que je lui envoie dans la gueule? Combien? Combien de munitions? Combien de munitions? Il y a autre chose à faire, c'est impossible. Faut que je ramasse les caca? Ben, disez-moi pas, faut que je ramasse les caca. Mais non, mais... Oh, putain, mais y'a rien le temps de faire. Putain, c'est de la merde, c'est de la merde. Voilà, 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 regardez. Hop là, super. J'essaie de me barrer, je peux pas. Voilà, regarde, hop là, la belle boucle. La belle boucle. C'est pas possible, on peut pas le tuer. En vrai, on peut pas le tuer, c'est pas possible. Qu'est-ce que je fous mal là? Mais non, mais. Putain, je reprends pas le bon flingue, je me plante de flingue, je me plante de flingue, c'est de la merde. Voilà, choper en boucle. Regardez ça! Regardez ça! Je vois rien! C'est de la merde, hein! Que ce soit dit, c'est de la merde! Voilà, ah là, je commence à. Voilà, ça y est! Et la caméra qui est aux fraises, évidemment! On est bien, hein! Y'a pas à dire, on est bien. Mais merde! Voilà, il m'a rechopé. Non mais c'est infernal. Il se barre.
Non, 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 barre-toi. Non, non, mais oh. Ça dure des plombes, on peut rien faire. Oh là là, mais c'est de la chiasse, hein. Ou alors j'ai loupé un truc, quoi, mais sinon... Regardez ça! Putain, mais c'est le pire combat de jeu vidéo de ma vie, hein. Je me rappelais pas que c'était si merdique, hein. Avant qu'on commence, je vous ai dit, j'ai aucun souvenir de ce boss. Bah voilà, je comprends pourquoi en fait, parce que c'est de la chiasse. On peut pas le tuer, on peut pas le tuer. Ça commence sacrément à me gonfler là. Je me fais chier, c'est nul. Hein. Putain, mais oh là là, mais merde quoi. Il doit y avoir autre chose à faire parce que c'est un... Non mais c'est juste de la merde ça. Se faire choper en boucle comme ça et puis devoir le tirer dessus, c'est juste de la merde. Je sais pas, faut lui tirer dans le cul sinon. Hop, voilà, je me refais choper, évidemment. Regardez-le. Attendez-le, regardez. Hop. Mais non, mais arrête de sauter, connard. Tu crames ou tu crames pas? A priori, il crame pas. Attendez, l'arme de vieux man, on l'a ou pas? Une arme de roue. Oh! Non. Disez-moi pas que c'était ça. Ouais. Ah, je pue le gorgor maintenant. Putain, je l'ai enfin eu. Oh, c'était nul. C'était nul. J'ai niqué l'intégralité de mes munitions. Le combat était inintéressant au possible. C'était vraiment de la chiasse, hein. Plus jamais. Si jamais je rejoue au jeu un jour, je passe cette phase. Je veux pas la rejouer. Bon allez, pause, envie de pisser, pause. Voilà, à tout.
Alors, me revoilà. Bon. On va récupérer les merdes, là. Au sens propre, hein. J'ai vraiment l'impression que c'est des merdes de... Des merdes de Gorgor, là, que je ramasse. Donc, on va ramasser les merdes. Après, on va traverser la flotte. Une fois qu'on pue le Gorgor, c'est ok. Oh là là, mais ce... Ah non, mais ce combat, quoi. C'était nul à chier. On pige de rien, on meurt en boucle. Tu m'étonnes que je m'en rappelais pas, quoi. Est-ce que ça m'avait autant choqué à l'époque ou pas? Je ne sais pas. Peut-être. Peut-être pas. Bon, on va puer le Gorgor. On va bien se rouler dedans. Ensuite, on va sauvegarder au ponton. Et après, on va aller sur l'île. T'as vu, il me fuit. Ah mais merde, je sens plus le Gorgor là. Oh, il vient de me chercher. Trop aimable. ASF, c'était toujours dans le coin. Effectivement, il y a des livraisons le dimanche. Merci, Jeff. J'ai de mauvaises nouvelles pour toi. Quoi, Ulukai? Oru est mort. Le Gorgor l'a eu. Il a été réintégré par le Gorgor? Oh, son essence doit revivre maintenant. Tu penses que c'est une bonne chose? Il faudrait que tu comprennes les chasseurs pour savoir ma joie pour Oru, Ulukai. As-tu trouvé le Mon? Évidemment. Alors, tu n'es plus loin de vaincre Feran. La prophétie de Khazar va se réaliser. Pauvre Oru, je commençais à bien l'aimer, ce vieux corbeau. Oh, le joueur planté. Non? Ah non? Ah si? Putain, mais le joueur planté! Alors le jeu a planté, c'est relancé aussitôt. Hein. Ça a commencé à devenir chiant. Hein. Je veux pas dire, mais ça a commencé à devenir très relou. Ouais, si le jeu plante en boucle comme ça... Ah, vite me gaver. Tac, quitter film. Alors, le Zort. J'ai trouvé du Zort sur l'île des Gorgor.
Je ne pensais pas vivre assez longtemps pour voir Ulukai m'apporter du Zord. Et nous voilà potes à présent. Pour ce que tu as, je peux te donner un bon nombre de Zordkin. Combien ? D'accord, prends-les. Tous les cacas ? Qu'est-ce que tu peux me dire du temple en... Tu le trouveras au... Je l'ai déjà trouvé. Qui me dit ça ? J'ai combien ? 2450 Zordkin. Ah, c'est bien ça. Je suis bientôt... Je suis bientôt au succès. Il y a un succès à 2500. Donc j'ai bientôt le succès. Mais on va s'arrêter ici. Oh bah là, il y a un petit truc là. Hop, on va s'arrêter là. Il y a un point rouge. Il y a un point rouge sur ma carte. Je veux juste aller voir c'est quoi le point rouge. Le voleur ? Ah non, il y a des... Ah mais ils sont revenus. Et viens là, viens mourir. Voilà. Oh, oh putain les... Les salauds. Merde, j'ai tiré sur personne, j'espère. Merci. Bon, on va essayer de gauler le voleur. Je crois que c'est foutu pour le voleur parce qu'il a déjà un truc dans la main. Il m'a vu, vous croyez? Vous croyez qu'il m'a vu ou pas? Il a plus le pognon dans la main là. Peut-être arriver à l'avoir. Hein. Du pognon. Allez. Ah mais il me voit en fait. Hein.
on s'emmerde. La pire phase. Non, la pire phase c'était c'était le dinosaure là. Bon ok, il veut plus rien piquer, super, j'adore. Voilà. On fera ça la prochaine fois. Ou alors. Le pécho quand il revient. Regardez, ici on peut peut-être la voir, non? Ouais, ouais, on va le choper là. Quoi? Mais... Ah, je t'ai vu. Excuse-moi, mon gars. J'ai pas vu tout à l'heure, ça. Dis donc, toi, je t'ai vu prendre ces orchines à Zafar. Tu m'as vu? Je vieillis. Tu veux les rendre maintenant? Attends, Lukai. Je suis un gardien de l'Otai. Zafar ne manque pas d'argent. Il est tellement avare qu'il possède plus de orchines qu'on ne pourrait en dépenser en 100 lunes. C'est peut-être une ordure, mais ça ne te donne pas le droit de le voler. Je sais, Ulukai. Mais les autres talents de la région d'Okasankar sont affamés. Cet argent servira à leur acheter de la nourriture. Tu n'en diras rien, Zafar, d'accord? Il me réintégrerait, c'est sûr. Bah, je suis gentil, alors... Veux-tu dénoncer ce talan? Non? Je ne vois pas pourquoi. Les yachts soient loués. Il voudra qu'on le rembourse, et il a quelque chose dont j'ai vraiment besoin. Je comprends, Lukai. Tu pourrais peut-être rembourser ces 100 orchines à Zafar avec ton propre argent. Ah ouais, super. Ouais, super. Qu'est-ce qu'il y a d'écrit sur mon t-shirt, hein? Banque d'Adelpha. Bon, d'accord. Merci mille fois, Lukai. Je dirai aux autres à quel point ton essence est bonne. Moi, c'est Ilia. En temps voulu, je te livrerai un secret pour te remercier. Bah vas-y. Quel secret? Il existe un trésor caché, des objets sacrés et des orchines englouties sous les eaux. Où ça? Je ne peux t'en dire plus, mais si tu trouves Zidar, il t'y mènera. Dis-lui que tu viens de la part d'Ilia. Ok, bon, faut que je rembourse machin, moi. Hey. Machin, j'ai attrapé le voleur, il ne te nuira plus. Oui, parlons de ta récompense. Que proposes-tu? Je ne peux te proposer que des orchines. Alors donne-moi des orchines. Comme tu veux. Et il m'en a filé. Et donc je lui ai filé des orchines, des orchines pour qu'il me file des orchines. C'est totalement logique. Ilia m'a dit de venir te voir. Ok. Quoi, ok? On y va. Je ramène à l'endroit. Quand arrêté, doit plonger. Rester près bateau et nager sous bateau. Trouver objet. Quand remonter, revenir. Rester près. Ok, super. Regardez, je vole dans le ciel. On y va ou... Attends quoi là? Oh là là, mais quel relou. Donc je monte dans le bateau, d'accord. Allez, vas-y. Et puis lui, il va à fond en plus, c'est ça qui est bien. C'est pas là? Il m'emmène où ce con? Ah si, c'est peut-être là. Si.
J'ai sauvegardé ou pas? Je sais plus, je crois pas. Je vais crever. Voilà, plonger et chercher objet sous bateau. Quand remonter, nous partir. Ça y est, j'ai eu la thune. Oh ! Oh non ! Non ! Non ! Ah ! Oh, il bute direct. Hein. Ça blague pas. Hein. J'ai pas sauvegardé. Ah, la blague. La blague, j'ai pas sauvegardé. Ah, je suis un génie. Je suis un génie. Bah non, faut que j'arrête. En plus, faut que j'arrête. Ça fait un quart d'heure que je dis que j'arrête. J'ai essayé de choper l'autre. Bon. Je récupère le machin là. Et puis après. On arrête. Paf, super. Pouf, pouf. Quitter le film. Merci. On est ravis. On va aller choper machin direct, là, en lisant où, je t'ai vu. On va le speedrunner, là. Je t'ai vu, hein. Non mais vas-y, fais pas ton malin, je t'ai vu. Ah, on peut pas en voir, là, faut... Il est où le troisième? Oh! Il était là. Et non, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà, merci. Allez. Mais non, mais arrête, arrête le jeu. Merci. Donc l'autre, faut que je la regarde là. Je l'ai vu. Vu? J'ai vu. Il est en... Tu m'as vu? Tu veux les rendre? Attends. C'est peut-être... Je sais. Je ne vois pas. Lee. Il voudra... Je comprends. Qu'est-ce qu'il y a des... Merci. Ok, quel le secret? Il existe. Où ça? Je ne peux... Voilà. Donc maintenant on va voir l'autre. Hop, hey, salut. Excuse-moi mon gars, j'y attrape. Je ne... Alors... Comme tu... Nickel. Par toi, tu me gênes. Toujours aussi bien un souvenir du coup, je t'ai vu te battre contre le gros dinosaure, avoir un petit grâce. Salut Cactus. Écoute, ouais, il est bien. Il est vraiment bien. Je vais sauvegarder avant. Le combat contre le dino là était nul à chier, honnêtement. Hein. C'est tout buggé, tu te fais choper, enfin tu comprends rien, c'était de la merde. Honnêtement. Sinon après, non, le... Hop, on va appeler ça justement de la merde. Voilà. Hop. Merde, je vais pas y arriver. Allô? Ça ne marche pas. Nul. Non, nul. Et je vais y arriver un jour, hein, je vous promets. Mais pourquoi? Ah merde, je suis décalé. C'est pour ça que ça marchait pas. Nul. Mais sinon, non, le jeu est cool, hein. Le jeu est cool, je l'aime toujours. Je l'aime toujours. Mais il y a des trucs... Ilia m'a dit de venir te voir. Les bugs, ouais, et tout, c'est chiant. On y va. Donc effectivement, il y a du crash, il y a des bugs. Mais c'est moche.
Mais sinon, ouais, je prends plaisir quand même à jouer. Sinon, j'y retournerai pas. Hein. Si vraiment ça avait été une purge et que je m'étais dit, voilà, le jeu est infâme. J'ai bien aimé faire le... Ah, t'as fait le remake. Et t'avais fait l'original aussi ou pas, du coup. Qui est clairement le même jeu, car c'est le même code qui tourne en fond. Ah, j'espère qu'il... Alors j'espère que c'est le même jeu sans les bugs. Hein. Sinon c'est pas la folie. Hein. Voilà, plonger et chercher objet sous bateau. Quand on le monter, nous partir. J'avais dû jouer 20 minutes à l'original, ok. Il va falloir que je remonte. Je vais retourner à la cité. Tu vas rester près bateau. Par contre, c'était artistiquement beau. Pas de bug pour le coup. Ouais, non, il y a quand même des trucs qui ont dû changer. Hein. J'espère. Toi. Après, celui-là, faut se remettre dans le contexte dans l'époque, hein, mais celui-là, pour l'époque, était quand même sacrément canon, quoi. Mais ouais, c'est vrai que maintenant, bon, ça a pris un petit coup de vieux, quand même, hein, faut avouer. Mais j'ai le second contact, le remake, je l'ai aussi. Il y a Otonoshi aussi qui avait dit qu'il serait bien tenté de le faire. Donc peut-être que vous le verrez chez Otto, le remake. Moi évidemment je vais pas me coltiner le remake tout de suite. Hein. Clairement je vais probablement attendre un petit peu avant de faire le remake du jeu. Sinon ça ferait un peu tôt, déjà que les gens arrêtent de regarder, tout le monde en a marre, sauf moi. Mais cette Daoka, je sais pas où elle mène. On va sauvegarder avant et puis on va passer à la Daoka puis on va arrêter. Je pourrais faire une session pour voir la différence. C'est vrai que c'est pas con. C'est vrai que c'est pas con, juste une petite session et puis... let's go quoi. Alors, pas besoin de faire tout le jeu, c'est vrai. Hein ? Pourquoi il a pas enregistré nul ? Nul ? Il me dit pas que le mot nul, il l'accepte pas. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Bien, qu'est-ce que je fais ? Attends, c'est, je me paume dans les touches. Ah mais il l'enregistre pas. Oh là là. Tac. La suite après. Il a intérêt à m'enregistrer le truc. Hein. Il a intérêt à me l'enregistrer là, sinon je pète un plomb. Alors nul, ça ne marche pas comme nom de sauvegarde. Ok. Do you really wanna quit? Yes. Une fois que c'est moi qui demande à fermer le jeu et qui plante pas, c'est plutôt pas mal.